Gulli présente. Lorsque Galvanax, le cruel champion des guerriers galactiques, a voulu s'emparer des puissantes étoiles de pouvoir, le plus grand ninja de la Terre s'est sacrifié pour protéger l'univers. 10 ans plus tard, une nouvelle génération de guerriers s'est levée pour protéger les étoiles de pouvoir ninja. Transformation ! Ce sont les Power Rangers Ninja Steel. Courage, ma petite Sarah, tu vas y arriver. Je suis vraiment désolée, Mick. Et c'est rien. Je t'avais pas vu. Ah, je t'assure. Tiens. Merci. Alors, la rumeur disait vrai. Tu t'es bien inscrite à 4 activités différentes. Ouais. On a plus de chances d'être admis à la fac. Mais elles ont toutes lieu à la même heure. Alors, comment feras-tu pour être à 4 endroits à la fois? On va dire que je connais la réponse et que c'est à toi de la trouver. À plus. Et Mazis n'est pas. Comment se porte mon petit passager clandestin? Non, le transfert sera bientôt terminé. Et alors je pourrai me débarrasser de toi comme un vulgaire déchet. Au club d'athlétisme, Brody. On fait un autre 1500 quand tu veux. C'est ça. Échec et mat. J'adore le club d'échecs. Je crois qu'il faut commencer par emboîter les piquets. Non, on doit d'abord déplier la tente. C'est génial, le club de camping. Hein? Oh, je n'aurais qu'un mot à dire. Bravo. Je vais lancer ma nouvelle invention, la flèche boomerang. Tu as vu ça? Elle a complètement raté son coup. 1 minute. Une femme? Oh. Félicitations, Sarah. Cette flèche est allée jusqu'à la cible avant de revenir. Tu viens de battre le record de distance. Elle a battu ton record, Victor. Pas pour longtemps. Ah, n'importe qui peut toucher un fruit. Mais je vais vous montrer ce que c'est qu'un archer. J'ai appelé ma nouvelle invention la flèche tordue. Regardez le maître à l'œuvre. Bien que ton record tient toujours, je te félicite, Sarah. Merci. Blaster Ninja. Activation. Blaster Ninja, coup de fouet. Qu'est-ce que vous dites de ça? Nos blasters ont maintenant une nouvelle corde à leur arc. Quand les as-tu programmés? Tu faisais du camping avec nous? Non, 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 non. Elle me mettait une raclée aux échecs. Non, elle courait un 1500 mètres avec moi.
Eh ben, disons que... Salut les Rangers. Je m'appelle Axtrak. Donnez-moi immédiatement vos gadgets électroniques. Alors là, tu peux toujours courir. Très bien. À l'attaque. Alors, où sont leurs super gadgets électroniques? T'aimes les gadgets? Comment tu trouves mon sabre étoile? Coup de fouet. Sarah, tu te sens bien? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'avez encore rien vu. Wow. Sarah, elle vient de s'évaporer. Mais comment? Ça ressemble au gadget que je recherche. Ce n'est pas que je m'ennuie, mais j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est en danger. Retournons à la base. Et tu devineras jamais ce qui est arrivé à Sarah. On se battait pour ça. Désolée, les Rangers. C'était pas moi qui m'entraînais avec vous, en fait. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Eh ben voilà. J'ai inventé ceci. C'est un holoprojecteur. Ça projette une sorte de clone virtuel qui a le même physique et les mêmes attitudes que moi. Alors, c'est comme ça que tu as pu être aux quatre clubs en même temps? Exactement. Ah, ça doit faire beaucoup de Sarah dont tu dois t'occuper, hein? T'en fais pas, je gère la situation. Mais il faut que tu saches que quand ton clone a disparu, le monstre a volé ta boule. Enfin, ton holoprojecteur. Ouais, tu crois qu'il peut s'en servir? Non. Non, j'en suis certaine, et d'ailleurs, je vois pas très bien ce qu'il pourrait en faire. Croisons les doigts. Passons maintenant à la deuxième étape de mon plan, la simulation de la technologie des Power Rangers. Mission accomplie. À présent, je vais pouvoir créer des holoclones géants. Vous êtes prêts, Galvanax? Je suis prêt, Axtrak. C'est parti. Les clones géants ont l'air plus vrais que de nature. Les Rangers ne pourront pas m'empêcher de saccager cette ville. J'ai les puces qui me grattent, c'est mauvais signe. Waouh! Il y a un monstre qui attaque la ville. Il y en a même plusieurs. Oui, Galvanax. Mais enfin, comment c'est possible? Ce sont des holoclones. Galvanax est parvenu à pirater ma technologie. Tout est ma faute. Nous devons arranger ça, et vite! Étant donné que c'est toi qui as inventé ce machin, comment on peut neutraliser Galvanax? Peut-être que je peux trouver le moyen de le désactiver. Alors vas-y, on va essayer de le retenir. Ok. C'est parti! Ouh. Allez Sarah, réfléchis, réfléchis. Tu peux trouver une solution, j'en suis certaine. Ok. Projecteur, activation. Salut les filles. Alors écoutez-moi. J'ai quelques idées sur la façon de battre ce monstre et vous allez chacune en concrétiser une. Quant à moi, je serai là pour vous aider. Clone numéro 1, regarde s'il y a des bugs dans la programmation. Clone numéro 2, tu vas essayer de brouiller les signaux radio d'Axtrak. Numéro 3, trouve le moyen de reprendre le contrôle. Numéro 4, tu vas essayer de couper l'alimentation. Le plasma! Viens avec moi, Preston! Regarde! Ils sont là-bas! Oh. J'hallucine! Comment on va faire pour les battre? Inutile de vous fatiguer, c'est perdu d'avance! Déposez les armes mini Power Rangers! Jamais!
Servons-nous de la dernière mise à jour de Sarah? Blaster Ninja, activation! Coup de fouet! Ils sont trop forts pour nous! Je vais réduire cette ville à néant! Panique! Allez vous mettre à l'abri! Sarah, nos armes n'ont aucun effet sur les holoclones. Et toi, t'en es où? Mes clones et moi faisons tout notre possible. Brody, tu dois retrouver Actrak. Sinon, vous n'arriverez jamais à neutraliser tous ces clones. Vous avez entendu? La priorité, c'est de retrouver Actrak. D'accord. Ok. Sarah, viens jeter un œil à la programmation, s'il te plaît. Tout de suite. Sarah, aide-moi à brouiller les signaux radio d'Actrak. Ton brouilleur ne marchera pas. Sarah, viens voir une minute. Je viens de faire une méga découverte. Mais je passe avant vous, les filles, d'accord? Et sûrement pas, tu passerais en premier, ce ne serait pas, hein? Découvrir vraiment le véritable, il faut aller toujours en train de me rester. Regarde, mon brouilleur, c'est rien fait. Nick! Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Oh, désolé, je vous dérange peut-être? Tu te moques de moi? J'avais envie d'apprendre à jouer de plusieurs instruments. Mais je ne m'y prends pas comme il faut. Oh, peut-être que tu pourrais me donner un coup de main. Tu rigoles ou quoi? Tu vois pas que j'ai une crise à gérer? De toute manière, tu dois commencer par apprendre à jouer d'un seul instrument de musique et pas de quatre. Tu sais, c'est mieux de faire une chose correctement plutôt que d'en faire quatre n'importe comment. Ok, car toi, tu ne fais pas quatre choses à la fois. Si, on dirait bien. Et d'ailleurs, c'est la cata. Ah. Ouais. Il faut que je me concentre sur une chose à la fois. Ces clones m'aident pas vraiment. Au contraire, ils me gênent. Bingo. Oh, merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Et ne t'inquiète pas, parce que je serai toujours là pour toi. Ok. Désolée les filles, mais il n'y a qu'une personne qui puisse régler cette affaire. Moi. Alors comme ça. Actrak adore ma technologie, hein? Oh. Je pourrais m'en servir comme appât. C'est moi! J'ai perfectionné mon holoprojecteur! Il peut créer des holoclones beaucoup plus puissants. Alors pas question que celui-là tombe entre les mains d'Actrak. Trop tard. Comptez sur moi pour en faire bon usage. Je vous aurais cru plus intelligent que ça. Maintenant, je vais pouvoir rendre les clones de Galvanax plus puissants que jamais. Il faut à tout prix l'en empêcher. J'ai piraté la nouvelle version de votre joujou. Vous pensiez vraiment que vous alliez pouvoir frimer avec votre nouvel holoprojecteur sans que je sois au courant? Et voilà, tu viens de tomber dans le piège que je t'ai tendu. Qu'est-ce que tu m'as fait? Comme je savais que tu ne pourrais pas y résister, j'ai glissé dans le programme un petit virus. Alors c'était ça ton plan? Mais moi je me serais fait avoir. Qu'est-ce qui m'arrive? Regardez ça! Ils ont tous disparu! Bien joué, Sarah! Et maintenant, occupons-nous d'Actrak! Il faut que je redémarre! Je me sens comme neuf et vous allez payer pour ce que vous m'avez fait! Ah, désolé, on n'a pas d'argent sur nous. Rangers Ninja, prêt au combat! Power Rangers Ninja Steel! Amusez-vous avec ça! C'est cadeau! Et toi, l'élément? Attaque aquatique ninja! Oh! Il me faut ce genre de gadget! Bip, 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 bip! C'est pas vrai! Ah, l'eau agit comme un miroir! Je sens que je vais encore bugger! Et toi, l'élément? Et toi, l'élément? Attaque aérienne ninja! Ah!
impossible de me relever. Maintenant, achevons-le. Attaque des 5 Rangers Ninja. Frappe d'acier. Tourbillon Ninja. Elle n'est pas prête de se relever. Ça alors, quelle est cette nouvelle vision? Waouh! On va voir ça. Ça ressemble à un nouveau Zorn. Oh, on va augmenter la puissance d'Actrunk à un niveau stratosphérique. Gigantifié. Pensez-vous de ma nouvelle mise à jour? Invoquons les ordres! Tourbillon Ninja! Sort promo rouge! Sort dragon! Sort nitro! Sort sonic! Sort zodiac! Sort ninja style! Sortez de l'ombre! Ils sont sympas, vos nouveaux joujoux! Mais sont-ils capables de voler? Tiens, tu as déjà vu un dragon sans ailes, toi? Tourbillon ninja! Megazord ninja style, formation dragon! Assemblage! Megazord ninja style, formation dragon! Prêt! Tourbillon ninja! Admettre ninja! On va le faire redescendre sur Terre! J'aime bien me balader dans le ciel, mais je trouve que ça manque un peu d'espace. Il va sortir de l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on peut pas le suivre. Semik, j'ai une nouvelle étoile Zord qui sort du four. Celle-ci, c'est pour le Zord astral. Je l'ai. Merci, Semik. Il n'y a plus qu'à libérer son pouvoir. Étoile Zord astral. Verrouillage. Tourbillon Ninja. Zord astral, sort de l'ombre! Wow! Ça, c'est un Zord 5 étoiles! On dirait un ovni! Avec ça, on va pouvoir aller dans l'espace! Mode Zord Ninja, activation! Trop cool! Lui aussi, il est équipé d'un mode ninja! Mega Zord Ninja Style Astral! Assemblage! Ria! Tourbillon Ninja! Zord Dragon, séparation! Megazord Ninja Style Astral, prêt! Direction l'espace! Faisons ça dans les règles, si vous le voulez bien! Un contre monstre contre Megazord! Pas de problème! C'est dingue, j'arrive pas à croire qu'on est sur la Lune! C'est un petit pas pour les Megazords, mais un grand pas vers la destruction de ce monstre! Dis donc, ce n'est pas le moment d'être dans la Lune! Ah! Et ça ne fait que commencer! J'ai plus d'un tour dans mon sac! Vous n'êtes pas prêts de revoir la Terre, les Rangers! Raté! On va débrancher ce clown définitivement! Oh non! Sabre maître ninja, activation! Yeah! Megazord ninja style astral, souffle cosmique, attaque fatale! Mais, attaque terminé! Pas de combat! Victoire des ninjas! De quelle cible s'agit-il? Ah! Si vous touchez le 1000, le record de Sarah ne sera plus qu'un souvenir. Préparez-vous à écrire Victor Vincent dans le livre des records. Madame Hastings, bonjour. J'ai réalisé que je courais trop de lièvres à la fois, alors j'ai décidé de laisser tomber le club de tir à l'arc.
Mieux vaut ne faire qu'une seule chose à la fois, mais bien la faire. Génial. On dirait que Sarah n'est pas assez douée pour tirer à l'arc. Connaître ses limites n'est jamais facile à admettre. Brillante comme tu es, tu n'auras aucun mal à trouver une université. Victor ! Merci. Ça me touche. Ouais. Ben voyons. C'est un nouveau record du monde! Bravo! À mon avis, il mériterait un genre de trophée. Qu'en dis-tu, Victor? Tout à fait. On a un problème. Faut qu'on y aille, tout de suite. Oh, super! C'est ça. Quoi? Le Ranger doré? Comment as-tu fait pour monter à bord du vaisseau? Pourquoi le Zord Astral a-t-il décollé tout seul? Il s'est dirigé vers le bagarre au dôme pour secourir quelqu'un. Enfin, apparemment. Mais je ne sais pas qui. Regardez ça. Un ovni vient d'atterrir ici, sur la place de la ville. Regardez. Le pilote va apparaître. De qui s'agit-il? Oui, qui ça peut être? Oh, c'est le Power Ranger doré. Le Ranger doré? D'où il sort? Aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, ce doit être celui qui a extrait du prisme l'étoile de pouvoir doré. Tes héros préférés te suivent partout.